plein de guêpes là. Ouais, mais elle reste dans la lavande. Ouais, elle préfère la lavande. Que moi, tu crois? Ouais. Bah, Nadia, elle s'est fait piquer. Hein, pas dans elle a une lessive à la lavande. Bah, une guêpe. Un guêpe? Ouais. Ça, c'est des, ça, c'est des petits bourdons, ça? Ouais. On attend toujours une en fait. Hein. Oui, c'est bon. Tout le monde est là. Non, il manque Viviane. Ah, mais Viviane, elle est trop chère. Elle zappe. Elle est trop chère. D'accord. Allez, on va commencer debout. On se met à l'avant de son tapis. Je croise d'un pied à peu près. Ressentez le sommet du crâne qui grandit vers le ciel. La colonne vertébrale bien droite. Nombril serré, la rétroversion du bassin. Les omoplates légèrement serrées, les épaules basses. Ressentez la verticalité de votre posture. Prenez conscience de vos appuis en mettant le poids du corps un petit peu sur l'avant, un petit peu sur l'arrière. Faites quelques petites oscillations entre l'avant et l'arrière de la plante de pied pour venir vous centrer. Répartissez bien le poids du corps sur toute la plante de pied. Pied gauche, pied droit. Puis prenez conscience de votre souffle, inspirez, gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, rentrez le nombril. Vous allongez le souffle, inspirez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloquez. Expirez, rentrez le nombril, 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Inspirez, gonflez sur 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Expirez, rentrez le nombril 5, 4, 3, 2, 1, bloqué. Respiration complète, inspirez bas-ventre, poitrine, épaules, expiration abdominale, thoracique, claviculaire, encore une fois, bas-ventre bas des poumons, milieu des poumons, haut des poumons, expiration abdominale, thoracique, claviculaire, vidé de l'air. Lâchez les mains en prière à la poitrine, vous grandissez vers le ciel. Vous absorbez le nombril, vous laissez grandir. Montez un petit peu plus haut les doigts de la main droite. Un petit peu plus haut les doigts de la main gauche. Les deux mains ensemble. Fixez les paumes de main l'une contre l'autre et emmenez votre sommet du crâne vers le ciel. Et très légèrement vers l'arrière, de manière à pouvoir regarder les deux pointes d'index qui grandissent vers le ciel. Poussez très légèrement les hanches vers l'avant. Laissez votre plexus monter vers le ciel. Le temps d'une bonne inspiration, vous gonflez le bas-ventre. Et à l'expiration, vous rentrez le nombril. Et vous ramenez les mains en prière à la poitrine et vous détendez. Inspirez, montez le bras gauche. Vous allez vers le ciel et légèrement vers la droite. Ancrez bien votre plante du pied gauche dans le sol. Absorbez votre nombril et relâchez le bras droit, l'épaule droite, la main droite qui glisse le long de la cuisse droite vers le genou droit. Biceps gauche à l'oreille gauche et tournez la tête à gauche, le menton haut. Et ressentez l'étirement dans tout le flanc gauche, depuis la taille,
la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant. Expirez, détendez en lâche. Montez le bras droit, inspirez, grandissez. Absorbez le nombril, ancrez bien la plante du pied droit dans le sol, vous montez et vers le ciel, et légèrement vers la gauche. Biceps droit à l'oreille droite, vous laissez glisser la main gauche le long de la cuisse gauche vers le genou gauche. Et vous tournez la tête à droite, le menton haut. Le temps d'une bonne inspiration, étirez tout le flanc droit, taille, hanche, côte, jusqu'à l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Et une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant. Expirez, détendez, relâchez. Projetez les pouces, montez les doigts vers le ciel. Biceps à l'arrière des oreilles, vous gardez les jambes serrées, cuisses serrées, genoux serrés. Et avec la rétroversion du bassin, vous descendez les fessiers vers l'arrière dans la posture de la chaise. Vous absorbez le nombril. Emmenez votre regard vers le ciel, restez là pour 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis grandissez, inspirez, montez. Expirez, détendez, relâchez. Montez le bras droit vers le ciel, inspirez, grandissez. Passez là votre main droite entre les deux omoplates. Réglez la posture avec la main gauche, triceps vers l'avant, biceps à l'arrière, tirez votre coude vers l'arrière, décambrez votre bas du dos, redressez la tête et venez chercher cette main droite avec la main gauche, le dos de la main gauche glisse, remonte, attrapez une phalange, une deuxième, peut-être une troisième. Gardez les épaules sur la même ligne, tirez vos coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez la cage thoracique. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les bras, dans les omoplates, dans les trapèzes. Et après l'expiration, relâchez doucement et récupérez vos bras et vos épaules. Vous enroulez de l'intérieur vers l'extérieur, de haut en bas et d'avant en arrière. Inspirez quand vous montez, ouvrez. Expirez quand vous détendez, relâchez. Côté gauche, montez le bras gauche, inspirez, montez. Placez votre main gauche entre les deux omoplates sur la colonne vertébrale, bien centrée. Avec la main droite, vous réglez biceps vers l'avant, biceps à l'arrière, vous tirez le coude vers l'arrière, vous redressez la tête, décambrez le bas du dos et vous venez chercher cette main gauche avec la main droite, le dos de la main droite qui glisse, qui remonte le long de la colonne vertébrale. Venez saisir l'index, le majeur. Un deuxième doigt, un troisième, un quatrième. Gardez les épaules sur la même ligne, tirez vos deux coudes vers l'arrière, inspirez, gonflez la cage thoracique. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les omoplates, dans les bras. Accentuez l'étirement avec le souffle. Et après l'expire, relâchez doucement. Et récupérez vos bras, vos épaules. Enroulé intérieur-extérieur, de haut en bas, d'avant en arrière, tournez les pouces vers les extérieurs pour bien masser la troisième vertèbre thoracique. Et détendez à l'expire. Les salutations au soleil, inspirez tranquillement en levant les bras au ciel. Om 1, expirez, main jointe à la poitrine, coude écarté. Om 2, inspirez, grandissez vers le ciel, et légèrement vers l'arrière. Om 3, expirez, penchez loin vers l'avant, pliez les genoux si besoin, absorbez le nombril, placez les mains à côté des pieds, laissez relâcher le dos, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, l'arrière des jambes, relâchez les épaules, la nuque, la tête, et enroulez vos cervicales, le menton se rapproche de la poitrine, et connectez votre front sur vos deux genoux. Om 4, reculez la jambe droite, loin vers l'arrière. Posez genou droit et dessus du pied droit dans le sol. Faites des micro-mouvements
prenant appui sur la main droite. Sur la main gauche, laissez détendre tout le psoas droit, la cuisse droite, les fessiers, les hanches. Laissez basculer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Vous posez bien le genou droit et le dessus du pied droit dans le sol. Faites faire quelques petits cercles à votre genou gauche avec la main gauche dans un sens. Remettez de la mobilité dans votre hanche gauche et dans l'autre sens. Puis fixez la posture, passez sur le bout des doigts, redressez votre sommet du crâne, votre menton vers le ciel, laissez descendre le bassin, inspirez. Om 5, passez en planche, le pied gauche rejoint le pied droit. Les épaules sont au-dessus des mains, les biceps tournés vers l'avant, les doigts bien écartés les uns des autres, fessiers actifs, nombril actif. Om 6, expire, pose genoux, poitrine et front au sol, les coudes serrés le long du corps, omoplates serrées, le bassin surélevé, vous exagérez la courbure lombaire pour remonter les fessiers vers le ciel. Les épaules sont loin des oreilles, les coudes sont serrés, vous êtes actif dans le bas du dos et dans le milieu du dos. Om 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, décolle menton, poitrine, en serrant les fessiers et les lombaires, en gardant les dessus de pied dans le sol. On ne met pas juste les orteils, on pose bien les dessus de pied, on allonge les pointes de pied. Et poussez vers l'avant du tapis avec les mains, toujours coudes serrées, en serrant les fessiers, les lombaires, le menton, décolle vers le ciel, inspirez cobra. Om 8, remettez les orteils dans le sol, V inversé, le bassin monte vers le ciel, les talons vont vers le sol, vous poussez bien sur les paumes de main, sur les phalanges des doigts, vous laissez le dos s'allonger progressivement. Plus vous rentrez le nombril, plus vous faites de la place, soyez actifs à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets, emmenez les talons vers le sol, la tête vers les genoux, ouvrez les aisselles au maximum, gardez les biceps tournés vers l'avant pour ouvrir les aisselles au maximum. Om 9, ramenez le pied droit sur la ligne des mains. On peut poser le genou gauche ou emmener directement le genou droit, soit directement, soit par l'extérieur. Posez genou gauche, dessus du pied gauche, faites des micro-mouvements. Prenez appui sur votre main gauche, sur votre main droite, laissez basculer le corps un petit peu à gauche, un petit peu à droite, mettez de l'espace dans votre cuisse droite, dans votre cuisse gauche, dans votre psoas gauche, dans vos hanches, faites faire quelques petits cercles à votre genou droit dans un sens. Fixez votre posture, passez sur le bout des doigts et redressez sommet du crâne, menton vers le ciel, inspirez, grandissez. Om 10, ramène pied gauche en gardant les mains au sol, vous poussez sur le pied droit, ramenez pied gauche à côté du pied droit, expire en bas, pliez les genoux si besoin, menton poitrine, front genou, enroulez les cervicales. Om 11, redresse, inspire, les doigts loin vers l'avant et vers le ciel. Om 12, expire, détend, relâche. Vous inspirez naturellement, montez les bras au ciel. Om 1, expirez, main jointe à la poitrine. Om 2, inspire, grandissez vers le ciel. Om 3, expire, loin vers l'avant, puis vers le sol. Main à côté des pieds, front, genou. Om 4, recule jambe gauche. D'abord, pose genou gauche, dessus du pied gauche, passe sur le bout des doigts. Inspirez, grandissez. Om 5, planche, pied droit à côté du pied gauche, épaule au-dessus des mains. Belle planche tonique, bien droit depuis les talons jusqu'aux épaules en passant par le bas du dos. Om 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol, coude serré, omoplate serrée, bassin surélevé. Exagérez les courbures de la colonne vertébrale. Om 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra, puis cobra. Om 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, poussez bien sur les paumes de main, emmenez vos talons vers le sol, la tête vers les genoux, le regard vers le nombril. Om 9, ramène pied gauche sur la ligne des mains, pose genou droit au sol, dessus du pied droit au sol, passe sur le bout des doigts, inspirez, posez bien le genou droit et le dessus du pied droit dans le sol. Insunita, tu peux poser le genou droit. Et dessus du pied, oui.
Baume 10, ramène pied droit à côté du pied gauche. Expire en bas. Menton, poitrine, front, genoux. Home 11, redresse, inspire. Pensez à plier les jambes un peu plus si besoin pour soulager les lombaires. Home 12, expire, détends, relâche. Inspirez naturellement. Home 1, expire, main jointe. Home 2, inspire, grandis. Home 3, expire, loin vers l'avant puis vers le sol. Front, genoux. Home 4, recule, jambe droite. Inspirez, grandissez. Home 5, planche, coupez le souffle. Home 6, expire, pose genou, poitrine, front, coude serré, omoplate serrée. Home 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Home 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspire, grandissez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire vers l'avant, vers le ciel. Home 12, expire, détends, relâche. Inspirez naturellement. Home 1, expire. Home 2, inspire, grandis. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule, jambe gauche. Inspirez, grandissez. Home 5, planche, coupez le souffle. Home 6, expire, pose genou, poitrine, front. Coude serré, omoplate serré, bassin surélevé. Home 7, inspire, glisse, demi-cobra, puis cobra. Serrez les fessiers, les lombaires. Home 8, expire, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied gauche, pose genou droit au sol, dessus du pied droit, inspire et grandissez. Home 10, ramène pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire vers l'avant, vers le ciel. Home 12, expire, détends, relâche. Inspirez. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule, jambe droite. Inspirez. Home 5, planche. Coupez le souffle. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied droit. Inspirez, grandissez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, détends, relâche. Côté gauche, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire. Home 4, recule, jambe gauche, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8, expire, V inversé. Les pieds écartés d'une dizaine de centimètres, talons vers le sol, tête vers les genoux. Home 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire et grandissez. Home 10, ramène pied droit, expire en bas. Home 11, redresse, inspire, vers l'avant, vers le ciel. Home 12, expire, détends, relâche. Un tout petit peu plus fluide, inspire. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Home 4, recule, jambe droite, inspire. Home 5, planche, retiens. Home 6, expire, genou, poitrine, front. Home 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Home 8, expire, V inversé. Home 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Home 10, ramène pied gauche, expire en bas. Home 11, redresse, inspire. Home 12, expire, détends, relâche. Inspirez naturellement. Home 1, expire. Home 2, inspire. Home 3, expire.
Aume 4, recule, jambe gauche, inspire. Aume 5, planche, retiens. Aume 6, expire, genou, poitrine, front. Aume 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Aume 8, expire, vais inverser. Aume 9, ramène pied gauche. Genou droit au sol, inspirez. Aume 10, ramène pied droit. Et expire en bas. Aume 11, redresse, inspire vers l'avant. Aume 12, expire, détends, relâche. Dernier cycle, inspirez. Aume 1, expire. Aume 2, inspire. Aume 3, expire. Aume 4, recule, jambe droite, inspire. Aume 5, planche, retiens. Aume 6, expire, genou, poitrine, front. Aume 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Aume 8, expire, vais inverser. Aume 9, ramène pied droit, genou gauche au sol, inspire. Aume 10, ramène pied gauche, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire. Aume 12, expire. À gauche, inspire. Aume 1, expire. Aume 2, inspire. Aume 3, expire. Aume 4, recule, jambe gauche, inspire. Aume 5, planche, retiens. Aume 6, expire, genou, poitrine, front. Aume 7, inspire, demi-cobra, puis cobra. Aume 8, expire, vais inverser. Aume 9, ramène pied gauche, genou droit au sol, inspire. Aume 10, ramène pied droit, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire vers l'avant. Et vers le ciel. Aume 12, expire, détends, voilà. Restez en samasthiti, le dos bien droit. Observez l'énergie qui circule dans votre corps. Depuis les plantes de pied jusqu'au bassin, du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Ressentez l'énergie dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Respiration complète pour calmer le cœur, calmer le souffle. Inspirez bas-ventre, poitrine, épaules. Expiration abdominale, thoracique, claviculaire. Inspirez bas-ventre, thorax, épaules. Expiration abdominale. Relâchez les côtes, relâchez les clavicules, respirez à votre rythme. Écartez les pieds, largeur de bassin. Prenez tout votre poids du corps sur le pied droit. Vous absorbez le nombril, vous rentrez le nombril, vous montez votre genou gauche. Posture de l'arbre, vous soulevez la hanche gauche à 90 degrés. Positionnez votre plante du pied gauche soit niveau cheville, niveau genou, un petit peu plus haut à l'intérieur de la cuisse. Fixez un point loin vers l'avant ou vers le sol. Restez concentré sur un point. Les mains se rejoignent en prière à la poitrine, grandissent vers le ciel. Mental stable, respiration stable, concentré sur un point. Observez votre souffle, quelques secondes à l'inspiration. Quelques secondes à l'expiration. Pour ceux qui le souhaitent, variation les yeux fermés, vous laissez se clore les yeux quelques instants. Et vous restez concentré sur vos trois appuis, le pied droit dans le sol,
pied gauche contre la jambe droite, main gauche contre la main droite. Puis grandissez, inspirez, montez. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière à la poitrine. Relâchez les épaules et les bras. Et reposez votre pied gauche. Ancrez votre pied gauche dans le sol, vous basculez tout le poids du corps sur la jambe gauche, montez le genou droit, vous ouvrez la hanche droite à 90 degrés, placez votre plante de pied, soit niveau bas, niveau moyen ou niveau haut. Pitchez un point loin vers l'avant, vers le sol, les mains se rejoignent en prière à la poitrine et grandissent vers le ciel. Mental stable, respiration stable. Concentrez sur un point. Observez l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration. Observez l'air qui s'échappe du bord des narines à l'expiration. Variation les yeux clos pour ceux qui le souhaitent. Vous laissez doucement se fermer les yeux. Et vous restez concentré à l'intérieur de votre posture, pied gauche dans le sol, pied droit contre la jambe gauche, main droite contre la main gauche. Puis grandissez, inspirez, montez. Et à l'expiration, ramenez les mains en prière à la poitrine. Et relâchez doucement votre posture. Prenez conscience de vos deux appuis dans le sol, la répartition du poids du corps, pied gauche, pied droit. Et détendez votre corps. Observez votre souffle. On se place sur le côté du tapis avec les deux pieds écartés largeur d'un mètre. Vous pouvez vous mettre vers moi si vous voulez. Placez vos mains sur les hanches. Gardez les deux jambes tendues, les pieds parallèles, les talons contre le bord du tapis. Et vous penchez loin vers l'avant. Vous restez parallèle au sol quelques instants. Absorbez votre nombril. Puis placez vos doigts sur la partie avant de votre tapis, sur le bord avant. Si vous êtes à l'aise en posant le bout des doigts en gardant le dos plat, vous posez les paumes de main en entier. Vous laissez votre menton progressivement aller vers le milieu des deux mains. Vous gardez votre dos droit, vous exagérez l'antéversion de bassin pour remonter votre bas du dos vers le ciel et laissez descendre les coudes de manière à ce que les avant-bras soient parallèles et que peut-être les coudes aillent vers le sol. Laissez détendre votre bas du dos, vos fessiers, vos cuisses. Apportez du relâchement. Quand vous avez les coudes au sol, vous êtes à l'aise avec les coudes au sol, vous allez placer vos mains sur la même ligne que celle des pieds. Une fois que vous avez vos mains sur la même ligne que celle des pieds, les mains sont toujours écartées largeur d'épaule, vous allez essayer de poser votre sommet du crâne entre les deux mains. Essayez de descendre la tête, comme si vous vouliez regarder
le ciel par-dessous. Respirez dans votre posture. Puis on va revenir progressivement dans les étapes précédentes. On replace les coudes au sol, avant-bras parallèles. Respirez dans votre posture. Gardez les plantes de pied actives. Puis repassez juste sur les mains, les bras se tendent. Puis le bout des doigts seulement, le dos se remet quasiment plat, parallèle au sol. Vous absorbez le nombril. Et vous tendez les bras devant vous pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et redressez, inspirez, fléchissez et ramenez les jambes avec un petit saut. Et repassez à l'avant de votre. Observez votre souffle. Posture de la pyramide, les mains en prière dans le dos. Soit on met les mains directement en prière, en rejoignant le bout des majeurs, annulaire, auriculaire et en laissant glisser ses mains sur le milieu du dos avant de serrer les coudes et de serrer les omoplates. Si c'est difficile de mettre les mains en prière dans le dos, on attrape ses poignets et on serre les omoplates ou on attrape ses coudes, bout des doigts de la main droite, coude gauche, bout des doigts de la main gauche, coude droit et on serre un petit peu les omoplates, tire les épaules vers l'arrière. Choisissez votre posture de main. Les pieds joint à l'avant du tapis, posture de la pyramide. Vous allez reculer la jambe droite. Vous reculez la jambe droite d'un mètre. Les deux jambes sont tendues. Le bassin, s'il a un petit peu basculé sur le côté droit, vous le remettez bien de face. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, le menton va loin vers l'avant. Vous remettez le dos plat parallèle au sol. Vous laissez s'étirer l'arrière de la jambe gauche. Et pour ceux qui le souhaitent, vous emmenez votre menton en direction du gros orteil gauche, encore un petit peu plus loin. Laissez le front aller vers le tibia gauche pour ceux qui le souhaitent, le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant, vous remontez le dos plat. Poussez sur vos plantes de pied. Et à l'expire, ramenez votre pied droit. Reculez la jambe gauche à son tour, un mètre vers l'arrière. Si le bassin un petit peu basculé sur la gauche, vous le remettez bien de face. Les deux jambes bien tendues, le regard vers l'avant, une bonne inspiration. Et à l'expire, vous allongez votre menton loin vers l'avant, vous ressentez l'étirement dans le fessier droit, l'ischio-jambier droit, l'arrière du genou droit, le mollet droit. Et poursuivez avec votre menton en direction du gros orteil, un petit peu plus loin. Vers l'avant, vers le sol, le front vers la cheville droite. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expiration dans la posture. Puis remontez en inspirant, le menton loin vers l'avant. Poussez sur vos plantes de pied. Et ramenez pied gauche. Expirez. Et relâchez doucement les mains. En tendant les bras devant vous, vous faites des petits 8 de l'infini avec les poignets. Dans un sens, dans l'autre sens,
des petits cercles de poignées dans un sens et petits cercles de poignées dans l'autre sens. Petit moulinet de poignées, les doigts entrecroisés dans un sens et dans l'autre sens. Agitez les doigts comme si vous essoriez les mains. Même chose de haut en bas. Et même chose de gauche à droite. Quelques ouvertures, fermetures, jusqu'au bout des doigts. On ouvre les mains et on referme les poings. Puis laissez les doigts bien ouverts, une bonne inspiration, contractez vos doigts. Et relâchez, détendez. Ressentez l'énergie qui circule dans les avant-bras, dans les poignets, dans les paumes de main, dans les doigts. Ressentez les sensations de chaleur, de fraîcheur, de picotement peut-être dans les bouts des doigts. Ressentez l'énergie qui circule. Vous allez placer votre cheville gauche au-dessus du genou droit. Une fois que la cheville gauche est au-dessus du genou droit, vous ouvrez votre genou gauche au maximum vers l'arrière et vers l'extérieur. Les mains, les bras parallèles, les mains loin devant, vous allez descendre vos fessiers en fléchissant la jambe droite. Vous fléchissez la jambe droite le plus possible pour emmener la cuisse droite presque parallèle au sol. Et en rentrant le nombril, vous allez rapprochez votre poitrine de votre tibia gauche. Restez dans la posture un instant, le temps d'une bonne inspire. Ressentez l'étirement dans le fessier gauche, dans la hanche gauche, dans la taille à gauche. Et une bonne expire. Puis remontez en inspirant. Expirez, relâchez, reposez le pied gauche. Même chose de l'autre côté, cheville droite au-dessus du genou gauche, le genou qui s'ouvre vers l'extérieur. Les deux mains loin vers l'avant et fléchissez votre jambe gauche, descendez vos fessiers vers l'arrière, laissez la poitrine s'allonger vers l'avant, absorbez le nombril, rapprochez la poitrine du tibia droit, ressentez l'étirement dans le fessier droit, la hanche droite, la taille à droite et repoussez le sol pour remonter et relâchez. Restez un instant, le dos bien droit, les pieds écartés, largeur de bassin. Et ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. Les épaules détendues, le dos droit. Vous allez contrôler votre descente, les pieds sont joints, les bras devant. Vous fléchissez en gardant les genoux serrés, vous emmenez les fessiers vers les talons, les deux mains loin devant, en absorbant le nombril, les aisselles au-dessus des genoux pour éviter de tomber d'un coup vers l'arrière. Puis vous ouvrez vos genoux et vous posez vos fessiers le plus proche possible de vos talons. Vous attrapez vos gros orteils. Et vous tendez sur les côtés. Ça couine. Trouvez votre équilibre. Respirez, descendez maximum les jambes. Ressentez l'index et le majeur qui crochettent le gros orteil. Plus vous êtes à l'aise, plus vous apportez du relâchement et de la détente.
Pour ceux qui le souhaitent, quand vous êtes à l'aise avec les jambes en écart, vous resserrez vos jambes. Gardez les gros orteils, vous absorbez le nombril. Vous pouvez emmener la tête vers l'arrière. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous tendez les pointes de pied, vous absorbez le bas-ventre et vous rapprochez vos tibias de votre front. Tirez sur les coudes, absorbez le nombril et rapprochez le front des tibias le temps d'une bonne inspiration et d'une bonne expiration. Puis relâchez. Et entrecroisez vos jambes. Faites un tailleur bien large, reculez un petit peu vos fessiers. Assurez-vous d'avoir les pieds qui sont quasiment sur les bords du tapis, les genoux qui retombent à peu près sur les orteils ou sur le talon, les tibias qui se coupent en leur milieu. Le dos est bien droit, les doigts au-delà des genoux sur le sol. Gardez l'antéversion de bassin, comme si vous cambriez légèrement le bas du dos, pour projeter déjà le nombril en direction des mollets des tibias. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, vous commencez à avancer les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite. Vous allongez progressivement. Vous gagnez du terrain, vous gardez le menton haut pour allonger la colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le bas-ventre dans l'espace du tailleur, mettez de l'espace dans vos hanches, dans votre bas du dos. Et à l'expiration, allongez encore un petit peu plus les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite, avant de relâcher les épaules et la tête et d'emmener peut-être le front vers le sol. Emmenez votre poitrine sur les tibias, sur les mollets. Mettez de l'espace dans votre bas du dos, dans vos hanches, dans vos fessiers. Continuez d'inspirer, mettez de l'espace dans le bas-ventre, dans le bassin. Et à l'expiration, détendez, allongez. Acceptez les sensations d'inconfort de l'étirement pour apporter du relâchement partout où cela tire. À l'inspiration, mettez de l'espace dans votre bassin. Et à l'expiration, continuez d'allonger le corps. Observez votre souffle, continuez de détendre les fessiers, les hanches, le bas du dos. Gonflez le bas-ventre à l'inspiration. Continuez d'allonger un peu plus la main gauche, la main droite. Puis repoussez doucement le sol, repoussez main gauche, repoussez main droite. Reprenez votre posture assise, le dos bien droit, en tailleur. Gardez les mains sur les genoux, sur les cuisses, les poignets, épaules détendues, le sommet du crâne vers le ciel. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration et se dégonfler à l'expiration.
croisez vos doigts et vous montez les paumes de main vers le ciel. Laissez grandir la colonne vertébrale. Pivotez le buste vers la droite, tranquillement, et restez dans votre posture. Continuez de grandir les paumes de main vers le ciel, le dos bien droit. Puis revenez au centre, prenez une bonne inspiration. Et pivotez vers la gauche. Absorbez votre nombril. Continuez de monter les paumes de main vers le ciel. Le temps d'une bonne inspiration. Et d'une bonne expire. Puis revenez au centre et relâchez. Changez le croisement des jambes. La jambe derrière passe devant, la jambe devant passe derrière. Reculez de nouveau un petit peu les fessiers si besoin pour régler votre posture triangulaire. Les doigts au-delà des genoux, le dos bien droit. Privilégiez plutôt que la rétroversion de bassin, le dos un peu rond, l'antéversion de bassin, comme si vous voulez sortir les fessiers et rapprocher le nombril des fibias des mollets. Une bonne inspiration. Et à l'expiration, le menton qui part en diagonale, puis vers l'avant, on avance les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite. Vous allongez votre colonne vertébrale. Inspirez, gonflez le bas-ventre dans l'espace entre les cuisses. Et à l'expiration, continuez d'allonger les doigts de la main gauche, les doigts de la main droite, avant de relâcher les épaules et la tête, et d'emmener peut-être votre front vers le sol, la poitrine, vers les mollets, vers les tibias. Continuez d'inspirer, d'expirer dans votre posture, d'apporter de la détente, du relâchement, de l'acceptation des sensations d'inconfort. Laissez-vous aller dans l'étirement. Emmenez de l'air, de l'espace dans le bas du dos, dans les fessiers, dans les hanches, dans les cuisses. Et à l'expiration, allongez la colonne vertébrale. Emmenez vos doigts le plus loin possible vers l'avant. Continuez d'inspirer, d'expirer dans la posture. Encore une bonne inspiration. Puis relâchez, repoussez main gauche, repoussez main droite. Puis redressez votre dos progressivement. Reprenez conscience de votre posture assise, les épaules détendues, le dos bien droit.
placez vos pieds l'un contre l'autre en rapprochant les talons des fessiers. Vous attrapez vos chevilles, vous poussez avec votre coude gauche sur la cuisse gauche et votre coude droit sur la cuisse droite pour emmener les genoux à gauche et à droite vers le sol. Vous massez avec votre coude et votre avant-bras pour faire descendre le genou gauche vers la gauche et faire descendre le genou droit vers la droite. C'est ça. Vous allez attraper vos deux pointes de pied avec la main droite. Et vous allez prendre votre main gauche pour pousser sur votre genou gauche, pour emmener le genou gauche vers le sol. Et en même temps, vous essayez de tendre votre bras en emmenant le buste légèrement vers la droite. Vous devez sentir l'ouverture au niveau de la hanche gauche. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Même chose de l'autre côté, on attrape les deux pointes de pied avec la main gauche, on place la main droite sur le genou droit et on bascule légèrement le corps vers la gauche pour pousser avec la main droite sur le genou droit pour faire descendre le genou droit vers le sol. Ça choupe. Prendre la main droite et pousser sur le genou droit. Faire descendre la hanche droite vers le sol. Ressentez ce qui se passe au niveau de votre flanc droit, au niveau de l'insertion, au niveau de la taille, la hanche, la cuisse. Encore une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis tout en rapprochant, en attrapant ses chevilles, vous rapprochez encore un peu plus les talons des fessiers et vous redressez le dos. Puis vous placez vos pouces à l'intérieur des plantes de pied et les doigts, vous attrapez vos pieds au niveau des tranchants externes, vous ouvrez vos plantes de pied comme un livre que vous voulez ouvrir avec les pouces à l'intérieur. Un livre qui ne veut pas s'ouvrir, vous ouvrez vos plantes de pied, vous faites pivoter vos plantes de pied au maximum vers vous. Une fois que vous voyez vos plantes de pied, vous pouvez décoller et tirer un petit peu plus sur les orteils pour les ramener vers vous et étirer le dessus du pied, la cheville, comme si vous vouliez ramener les orteils vers le bas-ventre. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis relâchez, étendez vos jambes. Vous tendez vos jambes devant. Vous faites une légère antéversion de bassin, un petit peu comme Paschimottanasana, juste pour emmener un petit peu le nombril vers l'avant et vous vous tenez bien droit. Une fois que vous êtes bien droit, vous placez vos doigts au-delà de vos genoux, juste les bouts des doigts, au niveau de vos genoux et un tout petit peu au-delà du niveau des genoux. Vous absorbez le nombril, on essaie de ne pas avoir le dos rond, mais d'avoir le dos droit. Vous allez décoller la jambe droite en appuyant comme si vous reteniez le sol avec le bout des doigts. Vous montez la jambe droite le plus haut possible pour 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, et relâche. Montez la jambe gauche, décollez le talon gauche pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Prenez une bonne inspiration, une bonne expiration. Gardez le bout des doigts là où il est, cette fois-ci vous allez pousser dans le sol, en même temps que vous poussez dans le sol, vous absorbez
votre nombril et vous décollez les deux talons pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et relâche. Vous laissez s'écarter les jambes largeur de tapis, les orteils vers les extérieurs. Vous avancez bien à l'avant de votre tapis pour avoir de la place derrière pour dérouler moyen fessier ou défessier, bas du dos, milieu du dos, paume de main tournée vers le ciel et vous relâchez en Shavasana. Respirez dans votre posture. Observez l'air qui passe par le bord des narines à l'inspiration. Et qui s'échappe du bord des narines à l'expiration. Absorbez le nombril et plaquez vos lombaires dans le sol au maximum. Faites une rétroversion de bassin. Restez dans la posture Shavasana. Laissez les cuisses se décoller un petit peu du sol. C'est normal quand vous plaquez vos lombaires dans le sol. Une fois que vos lombaires sont en contact avec le sol, essayez de mettre en contact également la nuque en amenant votre menton vers la poitrine légèrement. Et allongez tout le haut de la colonne vertébrale. Essayez de plaquer votre nuque au sol. Plaquez toute la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de la tête dans le sol. Et gardez quelques instants cette posture verticale. Puis relâchez et laissez les courbures naturelles de la colonne vertébrale reprendre leur place. La forme de S naturelle de la colonne vertébrale reprendre sa place. Observez le bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et qui se dégonfle à l'expiration.
de rapprocher les deux plantes de pied l'une de l'autre, les talons vers les fessiers, et laisser les genoux tomber à gauche et à droite. Laissez les hanches s'ouvrir, les adducteurs se détendre, les genoux tomber sur les côtés. Puis refermez les deux genoux. Placez vos paumes de main à côté des fessiers, paumes vers le sol. Et montez les deux jambes vers le ciel. Vous allez attraper vos gros orteils, vous allez tendre vos index et majeurs en direction des gros orteils pour venir les glisser entre les gros orteils et l'orteil d'à côté. Vous attrapez vos gros orteils, vous pliez les genoux et vous passez dans la posture du bébé heureux. Vous gardez votre dos plaqué au sol et vous laissez descendre en tirant sur les gros orteils. Les plantes de pied sont parallèles au ciel. Vous laissez descendre les genoux sur les côtés des hanches, posture du bébé heureux. Détendez vos hanches, détendez l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Étirez sur vos gros orteils pour faire descendre vos genoux vers le sol. Laissez le bas-ventre se gonfler à l'inspiration. Tirez un peu plus à droite, un peu plus à gauche, faites descendre un peu plus le genou gauche à gauche, le genou droit à droite. Faites des petits micro-mouvements, des toutes petites oscillations en tirant un peu plus sur le gros orteil droit et en tirant alternativement un peu plus sur le gros orteil gauche. Puis tirez sur les deux gros orteils ensemble, encore un petit peu plus bas. Le temps d'une bonne inspire et d'une bonne expire. Puis relâchez, tendez de nouveau les deux jambes vers le ciel. Paume de main posée le long du corps à côté des fessiers. On va contrôler la descente des jambes. On descend en rentrant le nombril sur 3, 2, 1. Et on remonte en inspirant sur 3, 2, 1. Descendez, expirez 3, 2, 1. Et remontez, inspirez 3, 2, 1. Troisième, expirez, descend 3, 2, 1. Et remonte, inspire 3, 2, 1.
1, expire, descend sur 3, 2, 1, puis inspire, monte sur 3, 2, 1, expire, deux jambes tendues, 3, 2, 1, puis inspire, monte sur 3, 2, 1, sixième, expire, descend sur 3, 2, 1, puis inspire, monte sur 3, 2, 1, expire, descend sur 3, 2, 1, et inspire, monte sur 3, 2, 1, huitième, expire sur 3, 2, 1, et inspire, monte sur 3, 2, 1, les deux derniers, expire, descend sur 3, 2, 1, et inspire, monte sur 3, 2, 1, dernière fois, expire, descend sur 3, 2, 1, et inspire, monte sur 3, 2, 1, une bonne inspiration, et à l'expire, descend doucement sur 10, 9, 8, plaquez les lombaires au sol, 7, 6, 5 à la moitié à 45 degrés, nombril serré, lombaires plaqués, puis descend sur 4, 3, 2, 1, et relâche, Shavasana, paume de main tournée vers le ciel, bras à 45 degrés, pieds écartés largeur de tapis, les orteils qui tombent vers les extérieurs. Relâchez les abdominaux profonds, les lombaires, les fessiers, les deux jambes. Observez votre bas-ventre qui se gonfle à l'inspiration. Et qui se dégonfle à l'expiration. Laissez les bras s'écarter sur les côtés, les paumes de main vers le ciel. Vous rapprochez les deux genoux de votre poitrine. Jambes pliées. Et les deux genoux vont aller sur la gauche, la tête se pivote à droite. Vous regardez votre paume de main droite et vous laissez vos deux genoux aller vers le sol, vers la gauche. Demi-torsion vertébrale, vous détendez. D'inspirer et d'expirer dans la posture, les deux genoux l'un sur l'autre. Et pour ceux qui le souhaitent, vous emmenez votre pied droit dans la main gauche. Une bonne inspiration.
et une bonne expiration. Puis vous relâchez le pied droit, les deux genoux reviennent l'un sur l'autre. Et en inspirant, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine, le regard vers le ciel. Vous remettez bien votre dos à plat au sol avant de basculer de l'autre côté, les deux genoux qui vont vers la droite et le regard qui va vers la paume de la main gauche. Laissez le genou gauche tomber sur votre genou droit. Gardez votre regard vers la paume de la main gauche. Et pour ceux qui le souhaitent, emmenez votre pied gauche dans votre main droite. Le temps d'une bonne inspiration. Et une bonne expiration. Puis gardez le genou gauche au-dessus du genou droit, vous repliez les deux jambes. Et en inspirant, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Replacez votre dos à plat au sol. Puis tendez les jambes vers le ciel. Vous absorbez votre nombril. Vous gardez les doigts loin vers l'avant. Vous décollez les épaules et la tête. Décollez les omoplates en rentrant fort le ventre. Une fois que vous avez décollé la tête, le menton vers la poitrine, vous êtes sur les lombaires, vous descendez un petit peu les jambes. Si les lombaires se creusent, vous arrêtez de descendre. Si vous pouvez descendre les pieds en face du visage, vous les descendez en visage, mais vous gardez vos lombaires bien dans le sol, le nombril très serré. Posture du bateau, quand les jambes bougent légèrement, en rentrant fort le nombril, vous avez une petite oscillation du buste très légère sur les lombaires. Et fixez la posture, restez là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, respirez 4, 3, 2, 1, et redressez, remontez, et relâchez vos abdominaux profonds. Gardez les jambes tendues devant vous, les pieds flex, décollez la peau des fessiers. Paschimottanasana, posture de la pince avant, pince assise, sommet du crâne qui grandit vers le ciel. Remettez votre dos le plus droit possible en exagérant l'antéversion de bassin. Les pouces se crochettent,
Les doigts montent haut vers le ciel. Vous grandissez, inspirez. Et à l'expire, vous allez à 45 degrés, toujours le menton haut. Vous laissez la colonne vertébrale s'allonger, le nombril descendre vers les cuisses. Mettez les pieds flexés, contractez les quadriceps. Inspirez, comptez vraiment. Et allongez vers l'horizon. Et allez chercher encore un petit peu plus loin les orteils, entrecroiser les doigts derrière les plantes de pied, ou aller chercher un poignet encore un petit peu plus loin. Avant de relâcher les épaules et la tête, emmenez vos coudes vers le sol. Continuez d'inspirer, gonflez le bas-ventre sur 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez sur 3, 2, 1. Expirez, relâchez 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, inspirez, gonflez le bas-ventre sur 3, 2, 1. Expirez, allongez la colonne sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pour remonter, vous inspirez loin vers l'avant, 45 degrés. Puis vers le ciel. Et à l'expiration, vous relâchez les bras, les mains se placent sur la ligne derrière les fessiers, les mains écartées, largeur d'épaule, les doigts orientés vers l'avant. Vous gardez le dos plat, parallèle, perpendiculaire aux jambes, et vous resserrez vos omoplates pour descendre les épaules. Une fois que vous avez les paumes de main dans le sol, c'est d'écarter le tapis avec les tranchants externes pour resserrer vos omoplates et tirer vos épaules dans le dos. Vous sortez la poitrine vers l'avant. Vous inspirez, vous gonflez les côtes, les doigts dans l'autre sens, voilà, chou. Et inspirez, gonflez. Resserrez les omoplates au maximum. Tirez vos épaules vers l'arrière. Ressentez les omoplates qui se touchent par-dessus la colonne vertébrale. Activez les muscles du milieu du dos. Et relâchez. Reculez les mains d'une dizaine de centimètres. Préparez pour Purvottasana, la posture du plan incliné. Vous avez les pointes de pied qui vont vers l'avant. Vous resserrez les omoplates, le buste légèrement incliné vers l'arrière. Et vous décollez le bassin du sol en emmenant les plantes de pied vers le sol. Vous absorbez le nombril, tête vers l'arrière. Restez là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Reposez les fessiers, laissez les jambes s'écarter, largeur de tapis, les orteils vers les extérieurs, relâchez les mains, les poignets, les doigts. Et rétroversion, moyen fessier qui tombe dans le sol, bas du dos, haut du dos, la tête en dernier, les paumes de main qui se tournent vers le ciel. Shavasana, posture de relaxation complète. Tournez bien vos pouces vers les extérieurs pour relâcher les triceps. Relâchez les épaules dans le sol.
Laissez votre corps s'enfoncer dans le sol. Évacuez toutes les tensions. Observez les allers-retours de votre respiration. Resserrez les deux jambes, gardez la rétroversion du bassin, plaquez vos lombaires dans le sol, tendez les bras loin vers l'arrière, inspirez, grandissez. Et à l'expiration, laissez guider les doigts loin vers l'avant, vous décollez la tête, les épaules, le haut du dos. Et avec l'expire, vous emmenez vos doigts loin vers l'avant. Et vous laissez remonter progressivement. On se place à l'arrière du tapis. Sur les genoux. Sur Vajrasana, détendez-vous, les paumes de main peuvent être tournées vers le ciel. Détendez vos coudes de pied, vos chevilles,
vos genoux, vos cuisses. Posture du héros, pour ceux qui le souhaitent, vous gardez vos genoux serrés et vous écartez vos pieds de manière à ce que les talons soient sur les côtés. Vous pouvez garder les doigts au sol et vous laissez progressivement les fessiers se relâcher, aller vers le sol. Vous gardez les bouts des doigts sur les côtés, au sol. Vous détendez progressivement vos genoux, vos cuisses. Relâchez, revenez dans la posture précédente et on va se placer en table pour faire vos podos. Les épaules au-dessus des mains, les biceps tournés vers l'avant, les doigts bien écartés, le dos est plat, les genoux sous les hanches. À l'inspiration, vous laissez le bas-ventre se gonfler, vous remontez juste le menton vers le ciel. Laissez le dos sans exagérer, se creuser, légèrement concave, en remontant le menton vers le ciel. Et à l'expire, vous rentrez le nombril, exagérez la rétroversion du bassin. Absorbez d'abord le nombril et ensuite emmenez votre menton vers la poitrine. Le regard vers le nombril également, dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Inspirez dos creux. Expirez dos rond. Puis dos creux. Et dos rond. Et dos creux. Et dos rond. Puis dos creux. Dos rond. Dos creux. Dos rond. Dos creux, dos rond, dos creux, dos rond, et dos creux, et dos rond. Restez dans la table, emmenez vos épaules loin au-dessus des doigts, poussez dans vos paumes de main. Restez là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3 allers-retours, épaules vers l'arrière, puis vers l'avant pour 1. Reviens, appuie avec le bout des doigts, le bout des phalanges, 2, reviens, et 3, reviens. Les paumes de main dans l'autre sens, les doigts orientés vers les genoux, relâchez les avant-bras, relâchez l'intérieur des coudes. Et reculez les fessiers, emmenez vos épaules au-dessus des doigts. Respirez pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 allers-retours, épaules vers l'avant, puis vers l'arrière pour 3. Reviens, 2. Reviens. Et 1. Laissez aller le plus loin possible vers l'arrière. Détendez. Jusqu'à ce que les paumes de main se décollent. Puis le bout des doigts. Et relâchez. Asseyez-vous. Relâchez les poignets. Petit vide de l'infini dans un sens. Dans l'autre sens.
Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens. Moulinez de poignets, les doigts entrecroisés. Dans un sens et dans l'autre sens. Vous agitez les doigts et essorez les mains très souplement, très étendues. De haut en bas. De gauche à droite. Et relâchez les mains. On place les mains dans le sol. Posture du carré. Pour Kakasana, on se place en carré. Après avoir échauffé les poignets. Donc comme hier, vous tournez vos biceps vers l'avant. Vous emmenez l'intérieur de vos genoux sur l'extérieur des coudes. Vous ne laissez pas tomber les fessiers, on ne laisse pas tomber les fessiers. On garde les fessiers hauts, on absorbe le nombril pour monter les lombaires. On redresse le menton et on essaye d'abord une jambe, de plier une jambe. D'abord l'une, puis on alternera, on emmènera l'autre. Et progressivement, on essaiera de monter les deux. En appuyant bien sur le bout des doigts et en redressant le menton quand on va vers l'avant. De rentrer le nombril. Et de respirer avant de relâcher. Oui, redresse le menton, Patrice. Voilà. C'est ça. On place bien. Là, on fait l'intérieur du genou sur l'extérieur du cou. Voilà. Et au-dessus du cou. Voilà. C'est ça. Redresse le menton et juste un pied. Sens bien ta pointe de pied. Sens ta pointe de pied. Depuis 2-3 cours déjà. Non, c'était bien, remets-toi. Depuis février, ouais. Une fois par semaine. Voilà, comme ça on groupe ici, on active. Pas par semaine, j'en ai loupé plein. Pour sentir l'appui ici. Et plus les épaules vont vers l'avant, essaye d'emmener tes épaules vers l'avant. Tes épaules, je ne sais pas qu'elles soient juste là, faut qu'elles soient un peu plus là. Quand l'épaule est là, est-ce que ça voit à un moment, on va emmener vers l'avant. Parce que le poids du corps va aller vers l'avant et du coup on va soulager les jambes et on va pouvoir refermer. Donc il faut que les épaules à un moment aillent vers l'avant. C'est pour ça qu'on a travaillé le poignet, parce que quand l'épaule avance, bah forcément on sent la pomme de main et du poignet. Voilà, redresse le menton, c'est ça. Oui, une fois que tu l'as fait avec une jambe, tu reposes le pied droit. D'abord, tu reposes le pied droit, tu fais que la jambe gauche. D'accord ? Comme ça, ça travaille les bras. Vous êtes à l'aise. Vous allez vers l'avant. Là, il n'y a pas d'air. Vous rentrez le menton pour poser le sommet du crâne et montez vos jambes. Index connecté.
trois fois le fond. Om, inspirez pour vibrer. Om. Moins que ça. À 6h30, je vais moins que ça. Hein. Mais oui. Ça calme, hein.